Voilà, nous sommes sur le départ, camping des Gondrexanges. Et là, on attend pour payer avec des chèques vacances. Donc, on attend la dame. Et je crois que c'est quelque chose comme 12 euros la nuit, il me semble. Alors, les sanitaires sont un peu vieillots, c'est pas très moderne, mais en fait, il y a vraiment bien de l'eau chaude et puis il y a de la pression. C'est assez agréable pour prendre la douche, franchement. Le camping est bien. Hormis le problème qu'on a eu pour planter les piquets, c'est génial. À conseiller. Sur le soleil, direction Sarreguemines. Là, on longe toujours le canal et cette fois bien à l'ombre parce que il commence à faire bien chaud aujourd'hui. Très joli ici. Au loin, il y a un grand étang. Alors, je vous le dirai après, je ne sais pas comment il s'appelle. Sur Komoot, il ne me donne pas l'indication. Mais je pense qu'à un moment donné, dans pas longtemps, on aura de l'eau à droite et à gauche, puisqu'on va traverser cet étang. Belle demeure. Et pas mal de joggeurs aussi sur la route. Bonjour. C'est vraiment sympathique ici, voir qu'on est en pleine campagne. Enfin, une écluse ultra moderne avec un écran LCD. Nous, direction Sarreguemines, 58 km. Comme je le disais avant, on passe, le canal est surélevé, on passe entre deux très grands étangs. À gauche, on ne le voit pas, il y a les roseaux. Et devant nous, une déviation, j'espère qu'on pourra passer. Magnifique. Je sais pas qui gère ça. Tout le monde fait son nez là-dedans. Le département, le machin, l'État. Comme la piscicane maintenant. En fait, après avoir regardé sur Internet, enfin sur Komoot, c'est l'étendue du stock de chaque côté et le canal passe à travers. Là, les paysages changent tout le temps, c'est vachement agréable. C'est très agréable. Il y a même des arbres fruitiers le long, des pommiers, des poiriers. Et je pense qu'à un moment donné, je vais devoir m'arrêter. Ah, celui-là il est vide. Et là, il y a un poirier. Alors, les poires, elles sont difficilement accessibles. Tout ce qui est en bas a déjà été ratiboisé. On croise pas beaucoup de monde hein, pour le moment. Hein. Je crois que c'est les premiers cyclistes depuis 20 km qu'on croise. Alors là, les écluses se succèdent quand même. C'est une distance assez courte. Disons tous les 200-300 mètres, il y a une écluse. Et pour nous, ça ne fait que descendre et c'est le bonheur. Ça va ? Oui. Voilà, des très beaux étangs en permanence le long de... canal. Par contre, on cherche un petit banc pour faire une pause, et là, il n'y en a pas du tout.
Alors ne me demandez pas où nous sommes, j'en sais rien du tout. Voyons voir si on trouve une table ou un banc. Bon, nous avons un tout petit problème, voire deux. Deux problèmes du jour, parce que ça va pas sinon. Voilà, la sacoche de Mimi qui est en train de s'arracher, et puis derrière, on a une sacoche qui est déchirée, il faut qu'on regarde ce qu'on fait. Voilà, nous venons de passer Mittlersheim. Est-ce que c'est un resto, ça, ou... En tous les cas, nous, nous sommes à la recherche d'un banc, et ici, de ce côté, il n'y en a pas. De l'autre côté, oui. Nous passons à Harskirchen et toujours pas de banc. Toujours rien. Joli, là, il y a plein de nénuphars sur l'eau. Mais pas de banc. On quitte l'écluse. Les portes se ferment pour la vider et pour accueillir d'autres bateaux. Bon, il y a tout ce qu'il faut, mais de l'autre côté, quoi. Et là, il y a un camping. Bon, c'est super joli quand même, faut l'avouer. Hein. Nous sommes sur l'Eurovélo 5, j'ai oublié de le préciser. Et là, direction Sarrebruck. Alors, nous sommes dans la vallée de la Sarre, l'itinéraire cyclable. Alors, waouh! Grosse Blibderstrophe, Saralb. Saralb, je connais, j'y allais souvent pour le boulot. Voilà, donc nous, on a terminé. On a terminé ce qui aurait dû être la première étape et on va enclencher la seconde. Bon, par la force des choses, on a dû rentrer à Saralb, il y a une déviation. Mais finalement, c'est très joli. Voilà, on sort de Saralb et on va direction Sarreguemines, 26, je crois. Hein. Un ancien bunker de la ligne Maginot Aquatique. Voilà, et nous sommes à Herbitzheim. Toujours près d'Herbitzheim, un champ d'éoliennes. C'est impressionnant le nombre d'éoliennes qui sont à l'arrêt. Mais au loin, très au loin, pareil, un champ d'éoliennes qui ne semble pas tourner non plus. Alors, on peut se poser des questions sur la production d'électricité avec les éoliennes. Beau champ de tournesols. Bonjour.
sommes à Vitrin. Joli par là. Très beau coin pour la pêche également. C'est très joli, pardon. Nous approchons de Sanguemines. Ça semble un peu désaffecté ici. Nous sommes à Sarreguemines, mais je pense qu'il va y avoir pas mal de monde, de piétons. Voilà, on va essayer de rejoindre Sarreguemines et trouver des commerces. Il y a des agrès, faire du sport, super. Nous sommes à Sarreguemines, centre-ville. Allez, c'est bon. Belle ville, Sarreguemines. Je connaissais pas. La sortie de Sarreguemines. Voilà, ça secoue un peu sur la piste cyclable. Je pense qu'il y a des racines, des arbres.
je filme notre chantier. Et notre repas. Ce soir, c'est que notre choix, côte de porc. Farine. Avec un petit côte de Roussillon. En Allemagne. Le Mans de Moselle, on va attendre qu'on soit à la Moselle. Machin. Allez, mon app.